Bonn, septembre 1962. Le chancelier Adenauer accueille le général de Gaulle en visite officielle. En janvier 1963, les deux hommes signent le traité de coopération franco-allemand. Depuis, les chefs d'État français et les chanceliers allemands continuent à se rencontrer deux fois par an, dans le même esprit. Avec, à Verdun, le 22 septembre 1984, ce geste symbolique entre Helmut Kohl et François Mitterrand. Mais que signifient les grands gestes au quotidien? Nous avons visité un village du sud de la France où des Allemands et des Français vivent ensemble. Je les rencontrai un jour, quand je venais de décider de rester ici. Je lui ai demandé s'il voyait un inconvénient à ce que moi, un Allemand, je vienne et je reste. Peut-être pour toujours. Il a dit que non, qu'il n'avait rien contre. Qu'un jour, il faudrait bien que s'en soit fini des guerres entre nos deux peuples. Qu'il faudrait bien qu'enfin nous vivions en paix, eux et nous. La terre que nous avons achetée était une friche infertile, avec des restes de murs de ce qui avait été un poulailler et une porcherie. Nous avons non pas construit une piscine, mais planté des arbres. J'ai semé du blé, j'ai fait moi-même mon pain, j'ai planté une vigne et des rideaux de cyprès contre le mistral. Et c'est ainsi que nous sommes devenus voisins, Maurice Bourg et moi. Depuis, je passe presque quotidiennement devant sa maison et devant cette pierre commémorative. Une parmi beaucoup d'autres. Samuel Sesmat, assassiné par les nazis en 1944. Samuel était son cousin et le jour de sa mise à mort a été pour tous les habitants des Cortas une catastrophe. Pour lui, tout particulièrement, pour Maurice, la mort de Samuel a été un drame dont il ne s'est jamais remis. Aujourd'hui encore, elle le poursuit. Et en fin de compte, moi aussi, comme Allemand, cette tragédie me concerne. Thank you.
Maurice a 86 ans. Il a grandi ici, dans le Vaucluse, au pied du Luberon. Il a commencé par cultiver des légumes, puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a pris la tête d'un groupe de résistants. Plus tard, dans les années difficiles de l'après-guerre, il a été maire de Gordes. Et il a été avec passion coureur cycliste, communiste, humaniste et en même temps européen. Il y a 8 ans, il a subi une grave opération, un cancer. Et depuis, il vit avec un anus artificiel. Ma poche, comme il dit. Il y a 5 ans, sa femme est morte d'une tumeur au cerveau. Depuis ce temps-là, les nuits lui paraissent souvent très longues. Et pourtant, Maurice est un homme debout, un homme droit. Un jour, il s'est mis à me raconter ce qu'il avait vécu. À partir de 3 ans, je me souviens bien. Avant, je ne peux pas. Mais à partir de 3 ans, je peux raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai fait. Et je me souviens bien. Bien entendu, mon grand-père qui existait encore, le père à mon père, il avait dans les 75 ans à l'époque. Moi, je le voyais vieux. Mais enfin, il n'était pas impotent et il bricolait encore un peu, gardait un peu les chèvres. Parce que mes parents avaient un troupeau de chèvres, comme toutes les campagnes de Siverde. Ils faisaient leur fromage dans la semaine. Et le samedi, ils descendaient à Apte pour le vendre. Alors, je vous ai dit que nous avions un troupeau de chèvres et nous tenions le bouc. Et quand c'était la saison des amours, les voisins amenaient leurs chèvres au bouc. Et ce bouc s'appelait Félix. Alors, de temps en temps, j'allais voir Félix, mais il n'était pas commode, surtout quand il sentait les chèvres en chaleur, il ne fallait pas trop l'embêter. Le négoce. Eh oui, alors ça fait que mon père, mon grand-père, en tout temps, est décédé, et mon père habitait avec un frère qui n'était pas marié, qui cultivait la campagne. Mon oncle, la campagne lui faisait guerre et mon père était malade. Il n'a pu faire le paysan. Et c'est ça qu'ils ont décidé à vendre les longs. Son père, qui par bonheur savait lire et écrire, à l'époque cela n'allait pas de soi, fut d'abord secrétaire de mairie à Roussillon, puis à Loris. En 1927, à 21 ans, Maurice dut faire son service militaire, à Briançon.
un an pendant mon service militaire à Pâques. Ma grand-mère m'avait convoqué auprès du notaire, avec mon père bien entendu, pour me léguer la maison, oui, et le jardin, pour que, après mon service militaire, je puisse venir habiter les Cortasses avec un terrain qui m'appartienne et la maison aussi. Enfin, je n'ai pas eu d'inconvénient, mais nous sommes venus au notaire, il m'a signé l'acte, et me voilà propriétaire aux Cortasses. Comme cela que je suis devenu. Je ne l'ai pas acheté, on me l'a donné. Et j'ai resté à l'Oris, peut-être 8 ou 10 jours, et puis je rentre au Cortasse. Alors là, j'habitais chez ma grand-mère, où René habite là. Là, il y avait ma grand-mère et 3 tantes. Ça faisait 4 femmes. Ah, j'étais bien entouré. Alors, me voilà un peu leur domestique. T'as pas peur, toi, hein? Sa maison, il l'a toujours tenue lui-même, sans l'aide de personne. Avec ses chiens, il va déterrer des trucs. Il scie son bois pour l'hiver. Il le scie à la main, sans tronçonneuse. C'est pour lui un principe. De même qu'il ne porte jamais de montre sur lui, parce que tout au long de sa vie, il n'a jamais vécu qu'avec le soleil. Tous les 2 jours, c'est ce qu'il appelle son jour de lavage. Ces jours-là, il ne veut pas qu'on le dérange dans la matinée. Il est occupé à nettoyer et à stériliser sa poche. Ah, c'est ce qu'ils n'y sont pas. Oh! Bichou! Le portail est fermé, on les a. Hé! Elle est cuite. Hein. Pour ça, le frigo. Et mon jardin n'était pas trop en état. Moi qui voulais faire la culture maraîchère, il était beau. Des bosses, il n'y avait pas trop de pentes, il y avait des grands cyprès, il y avait 20 ans qu'on n'y avait rien fait de... parce qu'il faisait trop chaud. On n'y faisait rien parce qu'il faisait trop chaud. Et moi, je cherchais la chaleur. Ça a été mon premier travail de débroussailler sous les cyprès, de mettre en propre. Et les voisins, quand ils venaient me voir, il me disait, mais t'es fou. Jamais tu n'y arriveras. Mais tu vois pas l'état que tu enlèves sur un mètre 50.
Et comme je voulais m'agrandir, et que je n'avais pas de... J'avais rien, hein, j'avais pas un sou. C'est malheureux, ça, hein, mais c'est comme ça. On me donnait quelques bricoles, là, mais je pouvais pas trop sortir. Alors, ma tante, je suis institutrice en retraite. Un jour, on me dit, Maurice, je ferai tout ce que je pourrai, mais je peux pas avancer l'argent qu'il te faut. Tu vois? Il te faut acheter un moteur, mettre une motopompe, et ton mulet servira pour aller sur les marchés. Avec le temps, Maurice avait réussi. Il avait dorénavant une pompe à moteur, la seule de toute la région. Elle lui permettait de pomper l'eau d'une source qui lui appartenait et d'irriguer ses champs. Avec un mulet, il allait porter ses légumes au marché des environs chaque semaine, ou alors ses tantes venaient prendre ce dont elles avaient besoin. Gratis, bien sûr. Puis la guerre éclata. Une fois de plus, ce sont les Allemands qui s'en prirent sauvagement à leurs voisins, pillant leur pays, saccageant tout, déportant et tuant les populations. Ben voilà parti. Mobilisé, bien entendu, je devais partir le troisième jour. Mais j'ai été affecté alors au 15e train, mais j'ai été formé à Draguignan. Et là, on a formé les compagnies, j'ai été affecté à la compagnie mitrailleuse. C'est ça que nous avons été affectés à Flayon, la compagnie. Nous avons resté 15 jours, 3 semaines. Et puis, alors là, nous avions des camions. Camions, camionnettes, voitures. Et moi, je cherchais à avoir au moins une camionnette, si c'était pas une voiture, à conduire. Oui. Mais il y en a qui étaient plus forts que moi, ou on m'a enfilé un camion. Et c'était un Pierce, un camion Pierce américain qui avait fait la guerre de 14. Les pneus pleins, à chaîne. Il fallait le faire partir à la manivelle. Je risquais de me faire casser le bras, moi. J'ai pas voulu. Alors on m'a mis aide-chauffeur, à côté du chauffeur. Et le chauffeur, c'était un type des Pyrénées, là. Et lui, c'était son métier. Et nous voilà partis dans le nord de Flayos avec nos camions. Et un jour que nous étions à la cantine, nous rencontrons des camarades qui étaient mécaniciens dans la compagnie à Lille, et qui étaient parisiens, un parisien. Et on avait jamais fréquenté là-haut à Lille, vous savez. On avait entendu parler de lui comme ça, il était toujours en prison, cet homme-là. Moi, je disais, c'était un bandit, c'est pas possible. Et quand il y avait une grande réparation que les autres mécaniciens n'arrivaient pas à dépanner, on sortait de prison, et lui, il allait dépanner, puis la moindre chose encore, joue encore en prison. Bon, mais nous voilà en relation, là, devant un apéritif, avec sa femme et lui. Ils habitaient Paris, ils étaient mécaniciens à Paris, et il avait été
et elle aussi en Russie. C'est là que nous avons su qu'ils étaient communistes tous les deux. Et c'est pour cette raison qu'il allait souvent en prison. C'est pas pour motif de service ni rien du tout. C'est sur la politique, mais ça, on s'en est aperçu plus tard. Alors, on discute bien des choses, et on vient à parler de la politique, bien entendu. Ah, le communisme, moi, bon, j'en ai entendu parler, je savais à peu près ce qui s'était passé en Russie, j'avais lu bien des choses. Et alors, la femme me dit, et vous, à quel parti appartenez-vous? Ah, j'ai dit, moi, j'ai aucun parti, mais je suis de la gauche. Et l'abeille aussi. Et je vote radical socialiste. À l'époque, le radical socialiste, oh, parce que le parti communiste n'existait pas en France. Il existait, mais si ça existait, ça existait. Il faut dire ce que c'est. Là, je me trompe. Bon. Et me voilà cette femme qui me baratine sur le communisme, l'avenir du communisme, comment ça marche, comment c'était le quelque chose. Enfin, à force de me baratiner comme ça, elle a fini par... J'avais ces idées-là dans la tête déjà. Dans le Parti communiste, un peu clandestin, hein. Attention. On n'a pas pris une carte, là, au début. On l'a prise en 43. Quand nos communistes, nous autres, ont été arrêtés. Mais là, c'était des cartes clandestines. Vous comprenez? Là, la Gestapo avait pas les dossiers d'avant la guerre, pour arrêter les types. Alors, on a été démobilisés au mois de juillet, le 15 ou 16 juillet. Je pensais être ici pour le 14 juillet, mais je n'ai pas pu. Ça a été après le 14 juillet. Voilà, mon arrivée au Cortas, alors. Et ici, le maquis, en principe, moi, j'ai commencé qu'en 43, vous devez l'avoir sur mes mémoires, au mois de mai 43. C'est là que je rentrais. Mais avant ça, je travaillais avec le responsable communiste, qui n'était pas arrêté encore, qui ramassait du ravitaillement pour les réfugiés espagnols. Parce qu'avant nous, il y a eu la guerre d'Espagne, les réfugiés espagnols, qui n'ont plus voulu rentrer avec Franco, là-bas, parce que Franco les a réfugiés, ils étaient en France. Et ces gens-là étaient répartis chez des bons républicains. Donc moi, j'en ai gardé deux. Oui, en principe, oui, pour moi, ça a commencé en 42. Mais c'était pas encore l'armée secrète, ça. Alors, en 43, j'ai adhéré à l'armée secrète. Alors là, les sixièmes, ce qu'on appelait les sixièmes, c'était six hommes qui étaient commandés par un chef. Un responsable, c'était pas un chef, un responsable, on appelait ça. Et ces six hommes-là ont été formés au mois de mai 43. Les destinées de Maurice et de son cousin Samuel furent durant ces jours-là tragiquement liées l'une à l'autre. Samuel était lui aussi un homme debout.
Il aurait mérité d'avoir une place dans les livres de lecture et d'histoire, au lieu de certains généraux et autres héros douteux qui y ont fait leur entrée. Rose Sesmatt, la veuve de Samuel, et leur fils René se souviennent. Samuel, lui aussi, voulait être paysan un jour. Lui aussi voulait cultiver ses terres, fonder une famille et vivre en paix. Mais son père, qui était rentré de la guerre de 14-18 avec des gelures graves, voulait qu'il devienne policier. Samuel partit en Algérie, se maria, eut 3 enfants et rentra en France en 1939, peu avant que la guerre éclate. Et une fois encore, les Allemands occupèrent son pays. En tant que policier, il était sous les ordres du gouvernement de Vichy qui collaborait avec les nazis. Mais lui, Samuel, refusa d'intervenir contre la résistance et de tirer sur des Français. Il fut traduit en justice et révoqué. Sa famille se trouva sur le pavé, sans ressources. En avril 1944, Samuel et sa famille vinrent au Cortas. C'était la maison à côté de chez Maurice. Qu'est-ce qui s'est passé le 22 juillet 1944? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est-à-dire que papa, quand il est arrivé ici, quand il y avait la résistance, le papa est rentré dans la résistance avec Maurice. Ah oui, d'accord. Alors il prenait son vélo et il allait comme ça voir les gendarmes de Gould et les gens qu'il pouvait récupérer pour la résistance. Bien entendu, mon cousin, on discutait souvent, seulement lui. Il voulait mettre sa propriété en état, parce qu'il pensait venir y rester après la retraite. Mais il collaborait avec nous quand même. Et moi, je tenais à ce qu'il me remplace comme sous-chef du secteur. Parce que lui, il avait l'habitude de commander, il avait beaucoup plus d'instructions que moi, il aurait été beaucoup plus capable. Je le crois. Et nous étions d'accord comme ça. Seulement, il me dit, laisse-moi. Bon. Et voilà qu'arrive le 22 mai. Cette nuit-là, le 21 ou 22, nous avions un parachutage sur Meurs. Nous étions engagés là-haut, puis le parachutage a été manqué, il n'a pas eu lieu. Et nous avions un petit camp. C'est dommage que nous ne pouvons pas y aller, parce que la voiture, on ne peut pas y aller. Que nous recevions les camarades pour nourrir 2-3 jours, puis on les envoyait ailleurs. Et moi, j'avais un gendarme, là, clandestin. Alors, Baptistin me dit, parce que nous devions venir manger chez les parents de René, où habitait Jeanne. Là. Ça, c'était une imprudence, parce que j'étais venu l'avant-veille chez moi, ici, enfin. Et Baptistin me dit, mange ici, il nous reste un tas de choses, tu vois, et ça va se gâter, ça. Et puis descendra après. Et le gendarme descend, il mange pas là. C'est ça qu'il comprend, il aurait pu être pris. Je vais d'abord raconter ce qui était arrivé quelques jours avant. Chez Maurice. Oui. Alors, Maurice, lui, il était dans la, dans la montagne. Et quand s'il y avait quelque chose qui n'aille pas au Cortès, tante Esther mettait un drapeau blanc à la fenêtre pour avertir qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui. Alors, ce jour, ils l'ont mis, parce qu'il est arrivé 4 ou 5. Mais on ne sait pas. On pense que c'était la milice. Oui. Ils étaient accompagnés par les Allemands. Les Allemands. Mais les Allemands sont restés en dehors de la maison. Et c'est... la milice, ils sont rentrés et ils voulaient Maurice. Et qui y avait dans la maison? Et il y avait tante Esther et Jeanne. Ah oui, d'accord. Tante Esther et Jeanne.
Et il voulait Maurice, il voulait Maurice. Alors, ils ont dit, eh bien, puisque ça va comme ça, eh bien, nous reviendrons. Et puis, un beau jour, eh bien, ils sont revenus. Alors, c'est ce fameux jour, le 22 juillet 44. Ils sont revenus. Mais on s'attendait pas, à ça, quoi. Ils sont rentrés, c'est-à-dire qu'ils étaient conduits par quelqu'un de Gordes, voilà, qu'on a reconnu. C'était le boucher de... Parce qu'ils sont allés d'abord chez le boucher, qui a ravitaillé la résistance, et lui, pour se défendre, d'après ce qu'on a entendu après, dire, ouais. Il leur a donné de l'or qu'il avait, et puis ils sont ici qu'on peut dénoncer Maurice. Ah oui. Ils sont arrivés tous, et nous on était en train de, justement on finissait de manger, ouais. Et on avait un gendarme de goutte qui était venu là, parce qu'il n'avait pas voulu rester là à la cabane de Maurice. Dans la montagne. La montagne. Et puis il y avait Jeanne encore. Et Jeanne, ouais. Et enfin, on finissait de manger. Ils rentrent comme des bolides là-dedans. Enfin, moi, je ne sais pas trop ce qu'ils ont dit. Je ne me rappelle pas bien, hein, parce qu'ils étaient tellement... Moi, je me rappelle, c'était un type, un grand type, avec un imperméable. Et il me semble qu'il y avait une hache à la main. Alors, moi, j'ai dit à papa, j'ai dit, mais pas toi aussi, maintenant. Il m'a dit, non, je ne vais pas vous laisser. Ils sont revenus, ils ont attrapé papa, ils m'ont emmené dans la maison, et puis moi je suis parti chez le Pantaléa, je suis venu chez Pantaléa, et j'étais à côté de la fenêtre. C'est 2h30 peut-être. On avait une longue vue là-haut, une chaîne longue. Et toujours braqué sur les cortasses pour savoir ce qui se passait. Tout d'un coup, on voit mon cousin qui sort de sa maison. Deux types derrière lui, et un troisième qui était gardien, qui portait les munitions derrière le dos. Mais eux, ils étaient armés quand même, et c'était des munitions pour en cas de bagarre. Ça. Et nous voilà prendre la direction de la montagne. Alors, quand il est responsable, ma première impression, il dit, ils sont que deux, le troisième on ne compte pas parce que celui-là, il sera vite. Mais nous sommes trois. Trois contre deux, quand on attend quelqu'un, il n'y a pas de risque. Ça a été notre première idée, ça. Alors, on se poste, toujours, il y en a un qui était toujours braqué, puis on ne le voyait plus dans le bois. Vous voyez, arrivé au pied de la montagne, notre lunette. Et pendant ce temps, je réfléchis, moi. Étant responsable, nous allons les descendre. C'est bien beau. La veille, l'avant-veille, j'étais venu une cinquantaine avec la troupe allemande, dans les cortasses, pour m'arrêter, moi. Jamais j'aurais cru qu'en plein jour, ces deux types viennent tout seuls, dans le chef de la Gestapo. Et ça, on l'a su après. Alors j'ai dit, si on les descend, on voit rien dans les cortasses. Et sûrement, il y en a. La troupe est camouflée ou... Elle était camouflée. Il y avait deux ou trois camions fauchés là-bas, sous les arbres. Quoi. Ça, je l'ai pas vu. Alors, on décide. Nous ne savions pas si mon cousin les a menés pour les faire prendre, ça, c'est sûr. J'ai pas de compte. Mais on ne les attaque pas. Alors on se retire un peu à l'écart, toujours sur nos gardes, on entend du bruit marcher, puis
Il y a un quart d'heure, vous savez ça. Un peu plus loin que la cabane. Ils sont venus arriver à la cabane qu'ils avaient, qu'il n'y avait personne. Ils ont cherché un peu autour. En même temps, un coup de feu. Ah, ah ben j'ai dit, mon cousin a essayé de se sauver, ils ont manqué un coup de feu. Et moi, j'ai entendu dans le bois, je pensais, je dis, s'il y a plusieurs coups de fusil, je pense que Maurice, ils ont dû se battre. Hein. Peut-être que Samy peut être sauvé. Et puis, finalement, j'ai entendu que deux coups, j'ai pensé qu'ils avaient tué. Moi, quand je vois rien, je retourne, j'avais un rendez-vous avec les camarades au pied de la montagne. Et je leur dis, je n'ai rien vu. Alors, bon, ben, il faut m'obliger, je leur dis. Il faut avertir les camarades de la résistance. Nous allons faire une patrouille dans la montagne, ne voyant pas arriver mon cousin. Et voilà. Nous arrivons peut-être une quinzaine, là. Et on va partir à la cabane, d'abord. Et puis, on cherchait dans les environs, on voyait des traces de quelque chose. Et c'est moi qui est tombé sur mon cousin. Il était allongé, là, dans des pierres, avec une balle dans la nuque, où il n'avait pas manqué. Il s'était affaissé, là, de tout son long. Là. On a fait un brancard pour y voir. Nous voilà décembre. C'est le mat au Cortas. La famille, il fallait voir ça. C'est triste de raconter ça. Hein. C'est pas de l'histoire, ça. C'est de l'histoire vraie, ça. Vécu. Pas inventé. Heureusement. Avant de battre en retraite, le 22 août 1944, les Allemands chassèrent les gens de chez eux et firent sauter les maisons. Trois jours plus tard, Gordes fut libéré des nazis par la résistance. Les collabos français avaient pour la plupart pris la fuite avec eux. Voilà, rentré à Gordes, le lendemain de ce massacre. Là, il était sur le soir. Et nous ne savions pas bien comment la population allait nous recevoir.
Mais la population nous a reçus à bras ouverts. C'était la libération, la liberté. Quand, pour finir, il fallut élire un nouveau maire, les partisans de la gauche, dont faisait partie Maurice, et ceux de la droite, présentèrent chacun leur liste. C'est Maurice Bourg qui fut élu. Et sur ces entrefaites, ils arrêtent une femme à Cavaillon qui avait trafiqué avec le maquis Ventoux à Sceaux. Mais c'était un agent de la Gestapo, ça. Elle travaillait avec les Allemands. Et elle était rentrée au maquis, il y a une année. Elle avait la passion à l'amour. C'était facile, pareil, pour les chefs. Alors, pas pour les chefs, c'est la paix. Elle était belle aussi. Et voilà que la libération, bien entendu, a été arrêtée à Cavaillon par le comité de d'épuration de Cavaillon. Et elle est condamnée à mort. Et l'exécution avait lieu que quelques heures après la condamnation. Il n'y avait pas de recours en grâce, hein. Il était condamné, il fallait la fusiller. Alors, comme elle avait trafiqué avec un responsable de garde, qui était du maquis Ventoux pour nous, il juge de venir la fusiller à Gordes. Il nous l'amène à Gordes. Ah, c'était pas beau. Alors, ils avaient dressé une estrade devant la, sur la place, contre le château, à côté des escaliers qui montent à la mairie. Et on avait assis là-dessus, et toute la population pouvait la voir. Maintenant, elle était enchaînée comme... Et là, alors, les femmes qui avaient souffert, les veuves, ils venaient y cracher dessus, ou y envoyer une gifle. C'était pas beau, c'était pas beau. D'autres, pour la faire parler, d'hommes, ils écrasaient les pieds, parce qu'elle était pieds nus, pour lui faire avouer, jamais avouer. Elle parlait pas. Hein. Et puis d'abord, il avait matraché déjà à Cavaillon. Bon. La voilà descendue de l'estrade, et on l'amène derrière le château. Il la met face au nord, contre le château, et bien entendu, le peloton d'exécution était en face. Il y avait un petit qui avait, il avait 12 ans, un fils de Paul Nouveau. Parce que sa femme, Paul Nouveau, avait été arrêtée à Saint-Saturnin et fusillée par les Allemands. Oui, sa première femme. Et donc, ils avaient ce fils de 10-12 ans, à peine 12 ans. Et le voilà, on lui donne un revolver avec le peloton d'exécution, avec ceux qui avaient la mitraillette, pour tirer sur la femme quand le moment sera venu. Bien entendu, elle est tombée. Mais ça m'a fait mal au cœur. Ça, j'aurais pas voulu le voir. Alors, je pouvais pas refuser, même étant maire, c'est le comité de Cavaillon qui avait décidé, le comité de Gordes, Maurice ne pouvait pas l'empêcher. Thank you.
La vie reprit son cours normal, comme on dit si bien, ou plutôt si mal, à Gordes, au Cortas. Dans les années 50, les deux dernières fermes des Cortas, qui étaient encore en exploitation, avaient changé de propriétaire. Les périodes de sécheresse extrême des dernières années rendaient encore plus dure la vie des paysans, déjà bien difficile quand le soleil brûlait sans pitié la terre, ou que montant de la vallée du Rhône, des tempêtes ou des grêles s'abattaient à l'improviste sur les vignes et les champs de melons, dévastant jusqu'à les rendre méconnaissables toutes les productions qu'au prix de tant de peine, on avait arrachées à la lourde argile du sol. Pour Maurice aussi, la vie avait changé. Il était alors maire de Gordes quand, à 40 ans, il fit la première déclaration d'amour de sa vie. C'était une nuit sur la petite route entre les Imbert et les Gros, et Francine et lui rentraient tous deux à vélo d'Avignon, où ils étaient allés pour le service. Un an après, il épousa Francine, qui était jusque-là sa collaboratrice au conseil municipal. Le jour de leurs noces, tout Gordes était en émoi, et la place du château devant la mairie était jonchée de fleurs. En 1947, ils eurent un fils, Jean-Michel, qui est aujourd'hui lui-même père d'un fils, Nicolas. Nicolas, né en 82, au mois de juillet. Et bien entendu, les parents étaient heureux, mais les grands-parents, peut-être encore plus, d'avoir un petit-fils. Surtout le grand-père, que le nom des Bourges continuera. Et oui. Et ils habitaient à Avignon déjà, et ils venaient assez souvent, et on en profitait le plus possible. Nous l'avons vu bébé, ensuite il a fait, je crois, ses premiers pas ici dedans. Tout le monde était ébahi, là, ouais. Oui, moi j'avais 75 ans et je voulais faire encore une fois le Ventoux. Alors ce Ventoux, je l'ai toujours eu dans ma tête parce que j'étais bon grimpeur. Grimper le Luberon, grimper Gordes, c'était déjà pas à la portée de tous les cyclistes. La première fois qu'on y passe là, on ne sait pas où on va aboutir, quand est-ce la fin. Et allez, trintant, et balancer la tête, balancer les épaules, voir un coup de temps en temps, le corger. Bon courage! Il fallait être fou pour faire le retour à l'époque. Au mois de septembre. Nous allions à l'enterrement à Loris. Et moi, à cette époque-là, Francine avait la passion de la voiture. C'est elle qui conduisait, et moi, je me laissais conduire. Alors ce jour-là, elle me dit, tu sais, si tu veux que nous allions à l'enterrement tous les deux, tu conduis, moi je me sens plus. Je fis venir le docteur Chanon, voyant Francine comme elle était. Alors celui-ci l'examina bien et lui dit,
je vous envoie à Avignon, passer des radios, pour savoir ce que vous avez. Je ne peux pas. Je vous vois faible, vous n'avez pas de fièvre, mais il y a quelque chose. Alors, il faut passer par les appareils. Je nous vois la partie à Avignon. Alors, j'ai passé des années. Et je vois encore, quand on a passé la radio à la radio, je vois le docteur qui sort avec sa fiche, il rentre à son bureau, et peut-être une minute après, il discutait avec un autre collègue, il revient à la radio, repasser. Vous voyez, ils avaient trouvé quelque chose d'anormal. Il repasse à la radio. C'est là, malheureusement, quand je suis venu pour payer, Francine était dehors. Et il me dit, vous savez, monsieur Bourgo, et là, une tumeur à la tête. À la mémoire de nos camarades morts pour la France. Souvent, après le dîner, avant qu'il fasse nuit, nous nous asseyons ensemble et philosophons sur la vie, sur la mort. Dernièrement, comme en passant, Maurice m'a dit « Savez-vous la pensée qui m'est venue cette nuit ? J'ai pensé que vous pourriez aussi bien être né au Cortas. » Thank you.